Marc Lambron, c'est important, l'apparence, le look, les falbalas, ça peut vouloir dire quelque chose de plus profond que la peau et que l'apparence ? Je vous remercie de m'interroger sur le livre de Christina. Alors, parce que vous dites des belles choses sur la mode. Je ne vais pas vous dire que j'approuve le titre. Je ne peux pas. Je ne suis pas payé bien pour. Bien évidemment. Ah ouais. Bon. Mais après, vous défendez le français à l'Académie. Je l'ai lu avec intérêt. Mais c'est vrai qu'il y a... Parce qu'il y a plein, il y a plein de recettes, et au fond, pas seulement pour les plus jeunes, parce qu'il y a aussi des recettes culinaires. Des... Mais il y a une catégorie que j'ai regretté de ne pas avoir conseillée dans votre livre, ce sont les chauves. Et Mais les millénaires ne sont pas chauves. Ah, ça peut commencer très tôt. C'est vrai. Ça peut commencer très tôt. Non, mais je comprends la question de Claude Askelovitch, parce qu'on va venir à votre livre, Carnet de balle, et Marc Lambron, après avoir conseillé, évidemment, sous le sapin de Noël, pour vos jeunes, le livre de Christina Cordula, publié aux éditions Larousse. Dans votre livre, vous parlez de Karl Lagerfeld, quand même. Bah, bien sûr, parce que c'est un livre... Elle a travaillé pour Lagerfeld, Christina Cordula. Il se trouve que oui, je l'ai connue. À diverses reprises, et que quand Karl Lagerfeld meurt, c'est une sorte de mythologie. Une mythologie, c'est pas seulement dans l'Antiquité, c'est quelqu'un qui a incarné, qui a, au fond, catalysé quelque chose de l'époque. Et voilà, je me trouve en position d'écrire des requiems, parce que malheureusement, les mythologies meurent aussi. Vous racontez à un moment donné qu'il vous croise dans un salon de l'hôtel Georges V, il est avec Maria Carré, et il vous présente à Maria Carré, il dit un French writer, hein, c'est vous le French writer, et la chanteuse, vous dites qu'il ne doit jamais ouvrir un livre, c'est sympa pour elle, vous fait « Hello Marc !» Là, vous êtes flatté, évidemment. Ah ben, je suis très flatté par Maria Carré. Oui, non, elle fait semblant d'être contente. Et puis alors après, Karl passe derrière, il me dit, vous savez, elle est très sympa. Bon, alors si Karl le dit, elle l'est sans doute. C'est que ça doit être vrai. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'un académicien français rencontre beaucoup de monde, finalement. Vous n'êtes pas entre les 40 de l'Académie toute la semaine. Vous croisez beaucoup, beaucoup de personnalités. Vous voulez dire que je suis encore valide? Oui. Bah écoutez, ça, c'est la curiosité. C'est-à-dire... quand on est jeté dans un siècle, dans un monde, qu'on a des yeux pour voir. Et c'est vrai que je passe ma vie comme une sorte, je ne peux pas dire d'homme télérama, mais enfin bon, je lis, je regarde des films, j'écoute de la musique, je rencontre, il y a quelques actrices aussi que j'aime bien. Faites bien de préciser ça. C'est un livre qui nous parle de culture avant tout, parce que ce soit le cinéma, le jazz, ça va faire plaisir à André Manoukian, la photographie évidemment, vous abordez tous ces sujets, et bien sûr l'art, toutes les expositions que vous faites, alors faites ça aussi pour la presse, hein, il faut dire. Et donc j'imagine que ce sont ces visites-là, ces rencontres-là que vous faites, qui nourrissent vos carnets de balles, et y compris évidemment ceux qui nous quittent. Et d'ailleurs, je veux dire que... Pardon, hein, je me doute que Adèle Van Rett et Claude Askelovitch n'ont pas eu besoin d'aller dans le dictionnaire, mais moi, je ne connaissais pas le mot « obituaire », voyez-vous. Ah oui. Et ça, déjà, un livre qui commence par un chapitre qui s'appelle... C'est le premier mot du livre. Hein. Vous ouvrez le livre, vous voyez « obituaire », vous dites « merde ». Déjà, là, il faut commencer à aller voir dans le dico, ce qui veut dire « registre des morts relatif au décès », puisque vous commencez par ça. Vous commencez par les morts de ces dernières années, en quelque sorte. Vous savez, les mots aussi, parfois, ce sont des morts. Donc, quand on peut les sauver, les ressusciter, ils existent là, depuis l'Antiquité. C'est un mot français, j'aime bien. J'aurais pu dire « requiem », je sais pas, « adieu ». Dans la presse anglo-saxonne, la rubrique « obituaries », en revanche, oui, a absolument sa place. Oui, pour le oui. coup, les Anglais, les Britanniques, les Américains ont mieux préservé ça que nous. Oui, le mot est plus vivant, en effet, en anglais qu'en français. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est qu'évidemment, vous évoquez ces morts, et puis alors, évidemment, les expositions, vous faites les livres que vous lisez, les films que vous voyez, même les vieux films, évidemment, les grands classiques que vous conseillez. Mais c'est que c'est très érudit. C'est évidemment un académicien français qui parle depuis toute la culture qu'il a emmagasinée au fil des années et ses longues études, hein, d'ailleurs, parce que vous avez fait très, très longues études, surdiplômé. Pour Edmond de Charleroux, par exemple, c'est très joli la dernière phrase. Vous dites « Edmond de Charleroux ne laissera pas de mémoire. L'hiver s'est refermé sur elle comme une dalle. C'est en ouvrant ses livres que l'on retrouvera l'héritage du printemps. » Ça, c'est quand même beau. Mais il n'y a pas que des morts. Par exemple, il y a un long passage sur Angelina Jolie que j'ai eu plaisir à rencontrer encore et c'était assez picaresque. Ça, je vous confirme qu'elle est plus vivante qu'Edmond Charleroux. Vous êtes sûr? Oui, je crois aussi. Voilà. Mais Johnny, un mot sur Johnny. Ce que vous racontez est à la fois drôle et sympathique. Vous dites au début de l'année 98, donc Johnny m'accorde un entretien pour le Figaro Magazine. La rencontre a lieu dans un studio de la Plaine Saint-Denis où Johnny H. enregistre deux chansons pour une émission de Jean-Pierre Foucault. Avant la rencontre, Daniel Rondeau, donc votre collègue académicien, a téléphoné à Johnny Hallyday pour lui dire que nous sommes bons camarades, ce qui est une façon de bien le disposer à mon égard. Œil de loup, barbichette toute neuve, ça gratte, me lâche-t-il. Johnny m'accueille d'un « Alors, vous êtes un ami à Daniel ?»
où l'authenticité du personnage se niche dans la faute de français, dit l'académicien. Voilà, parce que le charme, il est parfois dans le léger écart de langage, et en même temps, ça dit beaucoup de choses, et au fond, ça me touche. L'ami à Daniel. Vous êtes capable d'ironie absolument géniale. Pardon, c'est flagorneur, j'entrerai à l'Académie un jour. Quand vous dites de Sinatra, vous racontez, parce que c'est très juridique, vous racontez un concert que donne Frank Sinatra pour le président Nixon, ou on n'aime pas Nixon, en présence de Giulio Andreotti, homme politique italien, qui était un mafieux, je résume. Et là, il dit que Sinatra, bien que d'origine italienne, ne chante que des chansons de vrais Américains. Chanter en italien, c'est à peine bon pour Dean Martin. Pour cette ironie-là, que seuls peuvent comprendre quatre Italo-Américains et ceux qui font semblant comme moi, vous irez au paradis. À quel point aimez-vous les mots? À quel point êtes-vous capable de vous perdre pour un effet de style, pour un mot, pour une ironie, pour une musique dans votre écriture? On peut musiquer beaucoup. Pour prendre un néologiste célinien, on peut aller loin en s'arrêtant à l'infamie. Il y a quand même une bordure pour les auteurs. Mais c'est vrai que tout ça est amusant. Là il se trouve que je vois sur YouTube un vieux concert. Et en effet, il y a trois, manifestement, rétrospectivement, il y a trois mafieux. Parce que vous avez Nixon qui va être destitué pour la Watergate, vous avez Sinatra qui était quand même porteur de valises, comme on sait pour ses bons amis, et Andreotti, surnommé Belzébuth. Donc c'est assez amusant de voir autour de la musique la rencontre, la collision de trois mafieux de classe internationale qui sont d'ailleurs tous morts dans leur lit. Je m'interroge parce que je vois tout le temps prendre des photos, même pris en photo dans les coulisses tout à l'heure. Oui, elles servent à quoi ces photos? Elles ne sont pas sur Instagram, elles ne sont pas sur Facebook. Non, j'ambitionne de rester comme photographe parce que les écrivains, ça, c'est fragile. Donc je constitue une archive et quand nous serons tous morts, là, il y aura des albums et avec sûrement des personnages, justement, de l'époque, mais des mythologies. Mais vous écrivez de cette façon-là, de toute façon, dans les articles que vous proposez ici, même Karl Lagerfeld, il y a plusieurs plans, c'est très cinématographique. Oui. Et alors, moi, je pense que les académiciens sont des punks qui font semblant d'être sages. Ils ont quand même une épée, il faut le rappeler, et ils se cachent derrière les mots, mais au fond, ils ont une posture beaucoup plus subversive que ce qu'on croit. Et moi, je m'interroge sur votre position par rapport à la culture, parce que vous l'avez dit, il y a tous les sujets. Donc, est-ce que c'est le goût d'écrire qui vous fait aller vers tous les sujets, ou est-ce qu'il y a un vrai positionnement de votre part? Vous pensez qu'il n'y a pas de haute culture ni de basse culture et qu'au fond, tout est intéressant. Est-ce qu'il y a un snob qui sommeille en vous ou pas? Vous voulez dire que le snob, c'est celui qui dirait que tout est intéressant? Bah, évidemment. Voilà, c'est celui qui, le snobisme, c'est pas de faire des hiérarchies. Il fait croire que tout est intéressant. Voilà. Est-ce que je ne pense pas que vous pensiez que tout soit relatif, que tout ne se vaut pas pour vous, n'est-ce pas? Non, mais en même temps, je pense que tout objet, mais ça c'est l'héritage des mythologies de Roland Barthes, qui écrivait aussi bien sur le beefsteak frite que sur Greta Garbo, c'est que tout objet, toute apparence est digne, dit quelque chose. Il faut décrypter, il faut comprendre. Et moi, j'ai cette passion-là, qui essayait de voir ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que l'époque choisit, par exemple, telle ou telle étoile, telle ou telle star? Il y a toujours des raisons. Mais il y a un plaisir à décrypter et à décrypter au présent. Claude Askelovitch encore. L'élégance de votre style souvent vous protège, et en même temps il y a au moins deux textes, peut-être raté d'autres, dans lesquels vous impliquez complètement, qui sont d'une cruauté, d'une vérité toute personnelle. Il y en a un qui est assez connu, que vous consacrez à Frigide Barjot et égérie du mouvement hostile hommage homosexuel, qui se réclamait de l'amour réel qu'elle avait eu pour votre frère décédé. Ce texte-là vous implique, vous racontez votre famille, c'est le même style, mais c'est le meilleur texte que j'ai lu depuis très longtemps sur l'intimité et sur la mémoire et sur la justice que vous rendez même à une femme que vous n'aimez guère. L'autre texte parle de la cruauté de la bourgeoisie, c'est l'évocation d'un ami d'enfance qui avait tué son demi-frère qui était un voyou. Fils de bonne famille, fils de militaire, il tue son demi-frère qui dérangeait la famille et il est réintégré après un an de pénitence au grand lycée du Parc. Xavier, dans le livre. Il s'appelle Xavier. Est-ce que cette cruauté-là ne vous manque pas? Est-ce que vous n'aimeriez pas faire un livre uniquement composé de ces portraits à charge personnelle qui disent la vilainie, la méchanceté, parfois de la classe sociale dont vous êtes issu? Je ne sais pas si... Non, j'ai pas de grosse pulsion cruelle, c'est la vie qui est cruelle. Bon, puisque vous parlez de ce texte sur Frigide Barjot, c'est une amie d'enfance, de jeunesse, de mon frère. Mon frère meurt du sida en 1995, et elle est là, d'ailleurs, donc elle est fidèle. Et puis, en 2013, il y a... Non, pardon, parce qu'elle avait décidé qu'elle était amoureuse de votre frère quand ils étaient jeunes. Elle était très amoureuse. Il se refusait voilà. À elle. Et elle avait dit, c'était pas grave, je t'accompagnerai voilà, jusqu'au bout. Comme amie. Bon. Mais en 2013, janvier, au moment de la manif pour tous, enfin, il y a trois entretiens de presse où elle se prévaut de son amitié
ancienne avec ce garçon, pour se dédouaner du soupçon d'homophobie. Donc ça s'appelle pour moi de l'instrumentalisation, parce qu'elle fait parler un mort. Je ne suis pas sûr que s'il avait été là, il aurait adhéré à la cause qu'elle soutenait. Donc, je ne suis pas méchant garçon, mais enfin, quand on piétine les plates-bandes du cimetière, alors en effet, j'ai fait deux choses. D'abord, j'ai fait ce texte qui est dans Carnet de Bal. Qui paraît d'ailleurs dans Le Point, finalement. Qui est apparu sur le site du Point. Il n'avait jamais paru sur papier. Et qui est une sorte de radiographie, c'est-à-dire, tu te permets quelque chose, eh bien, je vais essayer, moi, enfin, je vais dire comment je te vois. Donc, c'est un décryptage, et il n'est pas forcément... J'essaie d'être juste, mais aimable. Et puis, début 2014, j'ai fait paraître un texte qui s'appelle « Tu n'as pas tellement changé », qui était une sorte d'adieu à mon frère, que j'avais écrit à l'époque, et j'avais gardé pendant 18 ans sous le coude. Et voilà, là j'ai aussi donné un requiem, à l'époque sans promotion, je voulais pas en parler, je voulais justement que les textes, qu'un texte parle seul. Le livre s'appelle « Tu n'as pas tellement changé » pour ceux qui seraient intéressés par ce livre que vous aviez consacré à votre frère. Adèle Van Rett, encore un mot. Oui, votre écriture vous protège, c'est vrai. On le voit très bien. Et parfois, le lecteur s'attendrait à ce qu'il y ait une forme d'explosion, qu'elle soit de joie ou de colère ou de rage ou autre. Vous le contenez, ça, à l'intérieur? Ou est-ce que parfois, est-ce que parce que l'écriture ne vous permet pas d'exprimer ça? Parce que je ne crois pas à cette tiédeur permanente, ça n'existe chez personne. Oh, je ne dirais pas que c'est tiède. Le mot n'est pas bien choisi parce que ça paraît dépréciatif. Mais c'est une espèce de constance, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Mais les deux textes dont on a parlé, on est d'accord, elles frémissent. Voilà, mais on sent à quel point les mots contiennent. Oui, parce que j'aime pas les déchaînements qui sont souvent... Vous surveillez, en fait. Irrationnels. Peut-être. Non, je crois que j'ai atteint à une certaine douceur dans ma vie, mais ça vient tard, je dirais Monage tout à l'heure à Anne Roumanoff. Mais... il y a un moment où sans doute une, je veux pas dire, c'est une sagesse, ça serait beaucoup dire, mais on apprend à regarder les choses et à vouloir d'ailleurs vivre dans un monde doux plutôt que dans un monde dur. En tout cas, ce qu'on aime dans vos carnets de bal, c'est qu'effectivement les mots sont bien choisis. On sent quand même, il faut le dire, l'académicien français qui réfléchit, plaisir d'écrire, qui réfléchit à ce qu'il écrit, qui a le plaisir d'écrire. Et en plus, c'est érudit, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses, évidemment, à travers les carnets de bal de Marc Lambron, qu'on vous conseille aussi. C'est publié chez Grasset.